Eh bien, salut tout le monde, ici Sora. Bienvenue sur Gravity Rush 2 pour le quatrième épisode. Quatrième ou cinquième. Quatrième épisode des micros et cinquième en total. Donc on se retrouve aujourd'hui pour encore faire une chasse au trésor et peut-être une quête annexe, voire une ou deux, on verra. Nous verrons bien. Donc voilà. Quand, la musique est vachement forte dans mes oreilles. On va baisser ça. Nickel. Du coup ça fait du bien aux oreilles. Donc voilà. Hop. Voilà. Attends, qu'est-ce qui se passe avec mon stream? Mon stream est en train de merder mais complètement. S'il te plaît. Quoi, le style Jupiter? Allez, on se motive. Ah, ça y est, c'est mon stream. Salut à toi qui vas me rejoindre. C'est nickel. Bah tout est bon, on peut continuer. Donc, on continue. J'en avais fait une petite chasse au trésor hier soir sur le stream. Par contre, non, tu me changes ça, c'est plus un... Non. Hop. Chasse au trésor. Temps de chargement. Quoi, c'est chiant quand on change le titre par la PS4, il ne change pas tout de suite sur le... Ah, attends, je diffuse pas de jeu, merde. Le jeu. C'est n'importe quoi. C'est la première fois que je vois ça, hein. Normalement, il est censé me diffuser un jeu, mais même pas. Excellent, on apprécie. Bah, dépêche-toi. Nickel. Bon. Genre, on va changer de costume. Parce que la dernière vidéo que j'avais faite, c'était avec le costume de Cat. Là, j'imagine que j'ai toujours rien de ce côté-là. Ouais, j'ai rien. Donc, on va mettre vêtements de travail ou vêtements de superstar. Ouais, je vais mettre superstar. Hop. Et donc, du coup, annonce. Chasse au trésor à la prochaine. Bah, nickel, on commence déjà avec une chasse au trésor. Nickel. Lycos Call Mosna. D'accord. Très dur à dire. Lycos Mosna. Ok. C'est dans la ville. Ok. Bon, on est parti pour. On est parti pour. Ah! Je dois voir que je suis bien. Hop. Le chat est devant moi d'ailleurs. Il est tout tranquille. Voilà. Donc c'est bon, on est parti. On est parti. D'accord, déjà ça se trouve sur un coin. Et au loin on voit une île avec un moule là. Ok. Ok. Par contre. Hop, merci. T'as essayé plus gros. Ça serait où? Ou c'est un lit? Ah d'accord, c'est une armoire. D'accord, je vais taper une armoire. Bah pourquoi pas, écoute. Pourquoi pas. Ensuite. Ensuite. Merde. Alors, hop. Hop. Quoi, lui, je n'ai aucune idée de où se trouve. On va monter tout le temps. Hop. Ah, dégage. Oula. Oula. Ah, le moulin il se trouve là-bas.
Ah c'est bien celui-là, ok go. Du coup il est censé se trouver par là. Merlin se trouve là. Merde. Hop. Je vais retrouver de touche. Là. Mais. Mille trésors. Go. Hop. Mais bah, nickel. Faut que ça, toi, tu m'emmerdes. Voilà. 4 viewers, salut à vous. Salut, salut tout le monde. Pour la photo, hop. Je vais poser le petit rapi. Le petit rapi qui est ma marque de fabrique. Enfin, si je peux dire ça comme ça. Merde. Hop. Donc retour. Hop. Mettre trépied. Nye. Putain mais je dis qu'il y a pas moyen de. Il y a une caisse qui vole sur la photo, c'est pas bien grave. Vas-y la pomme. Hop. Bah, nickel. Nickel! Avec une caisse qui vole, on ne sait pas pourquoi, mais elle est là. Hop. Hop. Pourquoi j'ai que. Non, d'accord. Si tu veux. Bon bah, le pot de fleurs est en train de péter un câble. Pourquoi pas? Bon, encore un long chargement. Deux viewers, salut à toi. Ça va faire que de monter. Ça va monter et descendre. Ah mais du coup j'ai oublié de regarder ce que j'avais gagné. Du coup, chasse au trésor des autres, nickel. Nickel. Donc, lieu Endestria. Ok, il se trouve juste en dessous du phare. Oh bah ok, pas de soucis, on va y aller. On va y aller. Allez, le chat. Déjà, tu trouves le phare, tu vas trouver. Il est où le phare? Normalement, le phare. Oula. Le phare il se trouve ici. On est d'accord. Hop. Bah voilà. Oula. Il est allé un tout petit peu trop loin. Hop. Bon par contre cassez-vous. Vous me saoulez. Moi je vais pas pouvoir poser de rapi, ça va me gonfler. Hop, ça n'est pas bien grave. Du coup, c'est comme ça. Oui, j'oublie les touches. Hop. Attends, il n'y a pas moyen de. D'accord. Je pensais pas qu'elle ferait un seul croc et que le... je pensais qu'elle aurait bouffé un entier, mais même pas. Même pas. Qu'est-ce qui t'arrive, peluche? Putain, y'a peluche qui est en train de s'agiter. Tu veux des câlins? Tiens, je te caresse.
Je suis méchant. Et oui, ça fait du bien, je sais que ça fait du bien. Ça baille. Bah oui, ça bouge dehors. Hein. T'es curieux? D'accord, mais ça va, t'es bien sans mon clavier? Y'a aucun problème? Genre, le clavier, il s'étale de tout son être dessus, c'est insupportable. Bon, du coup, annonce. Hop, Lobster Star. Oula, faut dire rien. Ah, c'est où? La Colsoma. Colsomna. J'arrive pas à le dire ça. Ça m'agace, ça n'arrive pas à le dire. Toujours le petit chargement. Allez, on se motive. Mais aussi. Find the chest. Ok. Ah bah on va le trouver le chest. C'est cool quoi. Bon. Ah quoi que ce soit c'est petit, c'est pas encombrant. Hop. Hop. Bon on va encore monter. Hop. Et hop. On joue pas avec. Hop. Ah c'est ça. Oui donc oui je trouve tout en haut quoi. Hop. Bah voilà les gars. Oula. Oula j'ai pas sauté. Attends descends. Merci. Comme là tu mérites quête. T'as juste pris un rebord et elle est partie en steak. Elle a pris le rebord là, ça l'a fait sauter d'une puissance. Pourquoi tu ne sais pas? Quoi du coup cette photo Hop. Ah. Ah. Oula. Il y en avait là-dedans. Je pense que ça serait plus difficile encore de... Attends, parce que j'ai pas envie de me casser la gueule. Bon, voilà, normalement je vais trop bas. Hop. Attends. Parce que je pense que ça sera encore plus difficile de trouver que seulement ce bâtiment là. Donc, hop. Voilà. Merde, on voit pas le coffre. Le coffre. Voilà. Comme ça on voit le coin du coffre. On voit le sac qui vole, hein, toujours. Je vais prendre la petite carte de glace. Hop. Et voilà. Donc, hop, ça c'est fait. T'auras les coffres. Bon. Bon, au suivant. Je pense que maintenant je vais le faire comme ça, mais mes chasses au trésor, je vais faire des chasses au trésor et obligatoirement une quête dedans, une quête annexe. Parce que là, il y en a plus, donc hop, c'est parti pour la quête annexe. Et après la quête annexe, je pense que je vais arrêter YouTube. Donc, enfin, je vais arrêter YouTube pour cette vidéo. Donc, c'est comme ça, oui. Hop. J'avais aussi celle-là, donc on va voir. Appli jeune, c'est une quête, il y en a trois. Ça, c'est quoi? L'esprit d'Adobe. Ici, il y a jeu interdit. Ici c'est un jour, c'est un jour passera.
Ah, j'ai bien envie d'essayer, je vais voir ce que c'est. Ah quoi, je peux peut-être... Attends. Je peux peut-être y aller comme ça. La pigeon directement. Y aller avec... la bouche de gauche. Là. Hop, nickel. Hop, ça va encore réduire du trajet. Par contre, je stoppe encore un chargement. Donc. Hop, ben voilà. Hop. Merde. Je suis légèrement loupé. Ah, par contre les caisses, je vois plus rien. Merci. Hop. Hop. Les toits de pigeon, ils sont tellement horribles. Ah, voilà. C'est ce que je voulais faire. Hop. Et hop. Oula. Les événements qui suivent se sont déroulés auparavant, vécus par un mois du passé. Par un mois du passé, pardon. 4. Hey, 4, comment ça va? Oui, je m'en doute. Je monte les gardes après les classes depuis quelques jours. L'épreuve doit. Quoi? L'épreuve doit monter la garde? Il te faut travailler le moment. Normalement, non. Mais dernièrement, certains des étudiants. Se rassemblent après les classes et agissent de manière suspecte. L'une des filles m'a même abandonné l'école, pardon. Abandonné l'école, je suis bon. J'ai essayé de clarifier cette histoire, mais bon. Oui, j'imagine que les étudiants ne vendraient pas la mèche à un prof. Si. Tout à fait, un prof est probablement la dernière personne à qui il ferait confiance. Oh. Hey, j'ai une idée, tu pourrais peut-être leur demander. Moi okay. À chaque fois qu'il y a un truc dans ce genre, dès que tu vois 4, oh 4, aide-moi et tout, va chercher. Allez, un café, un donut et tout. comme la domestique. La domestique dans le premier Gravity Rush. Va me chercher le cornet de glace, mais avant qu'il fonde, s'il te plaît. C'est la même chose, dès que tu vois 4. Oh, va me chercher une baguette à la boulangerie, s'il te plaît, c'est scandale. Ils sauront que tu n'es pas un prof, tu pourras peut-être leur soutirer quelque chose. J'ai un uniforme de rangée pour t'aider et à te fondre dans la masse. Bon bah voilà, j'ai un nouvel uniforme. J'ai un nouveau costume. J'ai l'impression d'avoir déjà fait ce genre de choses. Quand Echo et toi étiez encore des étudiants à l'école. Elle cachait ce Levi au bureau des élèves. Je me souviens que le Levi était dans son sac, pas dans le bureau des élèves. C'était il y a bien longtemps, par contre maintenant regardez vous tous les deux mariés avec un bébé. D'une certaine façon, pardon. J'imagine que je ne suis pas la seule à ne pas avoir changé. Certaines choses ouais, sont simplement très bien comme ça, pas vrai. Voici l'uniforme. Bon bah voilà, on va rentrer dans une école. Excellent. Je devrais demander aux étudiants. Donc, hop. De retour, c'est bon, tu pourras trouver. Les cours sont finies. Je cherche près à plus jeunes. D'accord. Il faut chercher vers des jeunes. Je pense que les vieux ne sauront rien. Donc, oui, c'est une perte de temps. Je vais regarder. Ça peut te plaire, hein. Oui, ça peut te faire. Ok, c'est pas encombrant. Hop, toi, commençons. Des activités après les cours? Ouais, en y repensant, certaines filles louches se réunissent après les cours pour faire quelque chose. Sûrement juste pour discuter et ce genre de choses. Je suis trop occupé pour être dérangé avec tout ça. Une réunion secrète entre filles. Oui, non, toi, t'es pas des filles en fait. Hop. Une réunion secrète, je ne vois pas de quoi tu parles. Les yeux de cette fille semblent un peu vitreux. Oh, je viens juste de me rappeler un truc marrant, tu veux l'entendre? Il y a certains temps, un des grands écrans de pigeon est tombé. Il est tombé pile sur une fille et l'a tué instantanément. Ah! Vive la sécurité!
Oh, c'est pas du tout marrant. Elle est un peu bizarre celle-là. Ils disent quelque chose d'étrange, que quelque chose d'étrange, pardon, apparaît sur les moniteurs maintenant. Au milieu de la... Je n'arrive plus à parler. Au milieu de la nuit, ils deviennent parasités et une fille aux cheveux longs apparaît. Plus tu regardes longtemps, plus elle s'approche jusqu'à... Je ne vais pas entendre la fin, je te parlerai plus tard. Ah, Kat, ah, Kat, elle n'aurait pas ce genre de choses. Voilà, bon, on part directement sur un trip de Persona, hein, avec le My Dad Channel, pour ceux qui connaissent. Non, bon, bah, écoute, on va. Hop. Non. Oh là là, toi. T'as bien là? C'est très bizarre. Non, ouais, le cabanier, il faut que je remonte à la place. Si je parle en robot, il va pouvoir parler ou pas? D'accord, non, mais casse-toi. C'est le nouveau respect du robot, quoi. Cette mission va être chiante. Avec quelle idée? Vas-y, on va parler. Quoi? Allô? C'est ça les deux filles aux cheveux? Ce serait ça qui... T'es pas une étudiante. Dis si tu veux. Du coup. Non. Là, un étudiant. Toi, je te sens bien, toi. Pas du tout. Pas du tout. Je ne pense pas que je devrais faire tout plus jeune comme ça, parce que si je dois faire tout plus jeune, oui, il va être plus étudiant, clairement. C'est genre la proviseur. Enfin, le proviseur. Hop. Non, à toi. Non. Oh, c'est tellement chiant. Ah bah voilà. Tu peux me dire quelque chose à propos des filles qui se réunissent en secret après les cours? Comment pourrais-je savoir ce qu'elles font? Oui d'ailleurs c'est vrai, hein. C'est des filles qui se réunissent, hein. Je ne verrai pas pourquoi lui il sera au courant. Peut-être que le reporter de l'école, que le reporter de l'école le sait, il est toujours en train de fourrer son départout. Je viens juste de le voir près de la statue de déesse, tu devrais lui demander. D'accord, alors comment t'as fait pour le... Tu viens juste de le voir là-bas alors que tu viens de le poser en fait. Faudrait que tu m'expliques. Je devrais essayer de trouver son reporter. Oui, ça va être le reporter. Par contre, c'est ok. Il se prend des baffes. Il se prend des baffes de plantes. C'est toi le reporter de l'école. J'ai une question pour toi. Toi aussi, tu veux en savoir plus sur les filles et ce qu'elles font après les cours. Tu es venu au bon endroit. Personne à part elles n'en savent plus que moi. D'accord. C'est vrai, génial, que peux-tu me dire? Ce sont des adoratrices d'un démon, d'accord. Le club occulte, excellent, Yandere Simulator. On va voir Okaruto débarquer comme ça. Elles utilisent un savoir interdit pour conduire des rituels secrets. Ces rituels sont pour... putain, j'arrive plus à lire, mais c'est ignoble. Ces rituels sont pour un démon en particulier, mais prononcer son nom conduit à une mort certaine, d'accord. Ça commence par chaud, c'est tout ce que je peux te dire. Chaud. Tiens, prends-toi des baffes. Prends-toi des baffes. Salut Fadou. Comment vas-tu?
Un groupe de filles qui adorent rendez-vous après les cours. Là, ça semble être un boulot pour Aki. Si quelqu'un s'y connaît en secret, c'est bien elle. Ah, le retour de Aki. Je viens d'informer Newt, puis suggérer que nous allions chez Aki. Retrouve voir Newt. Quelqu'un arrive là-bas. Hop. Allons-y. Trois viewers. Hop. Attends. Tu vas trop loin. Oula. Très bien, et toi? Bah écoute, impeccable. En train de jouer avec Gravity Rush, donc je suis content. Alors, rituel secret, démon, si. Ouais, et le nom du démon commence par chaud. Nous devrions arrêter ça tout de suite. Mais comment? J'ai du mal à croire qu'un sermon strict, puisse résoudre tout ça. Pourquoi ne pas demander à Aki? Elle aura peut-être une idée pour nous. Bonne idée, passons par l'oracle Pandore alors. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai oublié que la police était fédérée ici. Oh putain. Ok. Oh bah c'est la première fois qu'on a volé ensemble. Oui, ça rappelle la première fois aussi que t'as essayé de draguer. Que Kat a essayé de draguer Newt. Enfin, non, c'est même pas Newt. Non, je crois que c'était l'agent de police qui Kat a. T'es là, bah, il y a une fille faible à côté de toi, tu pourras voir ton activité et tout. Ça fait délirer dans le premier grave, tiens, wesh. Oui, non, oui, parce que Newt était déjà avec Echo à l'époque. Donc, oui, non, j'ai rien dit. Hop. Oula, putain, t'as trouvé moyen de louper le rebord. GG4. Hop. Voilà. Oui, non, mais on sait que c'est là. Le stop. Bienvenue à l'oracle Pandore, j'attendais votre arrivée. Vous cherchez à en savoir plus sur les filles et leur rituel secret? Pandore a déjà préparé une prédiction à utiliser pour découvrir ce que vous devriez savoir. Enfin, ce que vous devez savoir, pardon. Par contre, c'est fou comme Pandore anticipe littéralement notre venue, hein. C'est à chaque fois. Hein. Une fois qu'on est là, tenez, bah, c'est bon, Pandore est là, c'est bon, cassez-vous. Vous me devez 500 euros, c'est bon. Enfin, 500 gemmes, vu que là, c'est des gemmes. C'est ce que j'aime avec les disseuses de bonne aventure, elles sont toujours préparées. Bien parce que la facture aussi a déjà été préparée. C'est un peu salé pour un salaire de prof. Je vais pas avoir un reçu. Évidemment, je te le donnerai en sortant. Alors non seulement les prédictions arrivent à point nommé, mais aussi les factures. Hein. Ça c'est la facture est livrée avec. Hein. Voyons voir. Une tête en feu ressuscitée, un miroir qui illustre l'imagination. Sinon ça va, les vacances se passent bien? Parce que vous avez 2 semaines de vacances là actuellement. Salut Kading. Kading, ouais. Salut Kading 894. Hop. Les vacances se passent bien pour vous? Enfin, si vous êtes en vacances, hein, ça se trouve, après vous êtes un petit peu plus âgé. Pour vous êtes comme moi, vous êtes déjà en train de bosser, vous n'avez pas de vacances avant le mois de mars, c'est tout. Vous êtes triste. Non, moi ça, c'est le mois prochain mes vacances, donc je suis content. Voyons voir. Une tête en feu ressuscitée à miroir qui illustre l'imagination. Les conseils d'un homme mort, un sombre rassemblement. Aki n'est pas la seule voyante. Je savais que les prédictions de Pandore n'auraient aucun sens. Pourtant, ça s'est toujours avéré exact. Ok, occupons-nous en une par une. Pour commencer, une tête en feu. J'espère que c'est bien une prédiction au pied de la... Enfin, j'espère que ce n'est pas une prédiction au pied de la lettre. Kat, je suis désolé de t'abandonner, mais tu peux te charger de ça pour moi. Mais j'arrive plus à parler. Hier, on avait regardé... Enfin, hier, déjà, c'était prévu avec Yuna et un ami à moi qu'on fasse un essai de ne pas rire sur la chaîne, mais au final... on avait un petit peu bu, hein, on l'avoue. Du coup, voilà. Du coup, là, j'ai un mal de crâne énorme. Mais bon, ça fait plaisir. Salut, ça va? Bah écoute, bien et toi, Kaling? Les vacances se passent bien? Enfin, si t'es en vacances, hein, je précise. Parce que c'est pas tout le monde qui sommes en vacances. Ça n'est pas tout le monde qui est en vacances. Je sais pas, enfin, c'est pas grave. Si ils te dire me voir. Attends, parce qu'en fait, je regarde le chien qui est sur le clavier. Ça va, est-ce que je pourrais prendre mon clavier tout à l'heure? Non, c'est pas possible. Ça, il en a rien à foutre, le chat. Si les étudiants me voient avec toi, et ils seront sur leur garde. Je me ferai mes propres recherches, d'accord? Et je dois vérifier si l'école va accepter ce reçu. Ok, je vais m'en charger, à plus. J'imagine que Dude doit faire attention à son budget, maintenant qu'il a une famille. Ok.
Donc je dois trouver une tête en feu, hein, donc si vous avez une idée. Est-ce que la statue... Qu'est-ce que ça pourrait-il de l'être? Bah moi je dirais, bien sûr. Tu fais quoi de tes vacances du coup? Sachant qu'il y a déjà une semaine qui s'est écoulée là des vacances, si je veux de vous voir. Est-ce que c'est pas... Voilà. Moi je dirais ça. Ça reste l'objet de la prédiction. Ce qui n'est pas celui-là dans le premier Gravity Rush, hein, cette statue-là. Enfin, me semble-t-il pas. Et si vous voulez, vous aurez la rediffusion en meilleure qualité sur YouTube. D'ailleurs, il y a déjà les présentants épisodes de Chasse au Trésor qui sont dedans. Allô? Ah. Est-ce que cette fille aux cheveux longs... Enfin, bouge-toi de là, tu vas le casser. Le minotaure est foutu, c'est de ta faute. Mais regarde pas. Je ne veux pas d'excuses, répare ce moniteur. C'est pas une dépanneuse. Voyons, un miroir qui illustre l'imagination. Pendant, on va parler du moniteur. Donc ressusciter voudrait dire réparer. Oh putain. Ça y est, on est mécanos, des mécanos de métier. Putain, Kat, elle fait tous les métiers du monde, mais c'est impressionnant. Et comment puis-je le réparer? Peut-être avec un grand coup de... Ah, peut-être avec un gros coup sec. Ah oui, d'accord, tu dois les moyens extrêmes. J'espère que ça ne va pas me hanter. Bah, tu... Non, ça marche pas. Oh, écoute. Ah oui, merde, c'est le détail. Bah voilà. Et bah voilà. Bon. Trop bien, merci de t'être occupé de ça pour moi. Alors, d'accord, c'est lui en fait le réparateur, il a pas voulu... Ah, attends, quel enculé ce mec. Tu pourrais t'occuper d'un autre militaire pendant que tu y es? Oui. D'accord. Oui, le mec qui profite totalement des gens, quoi. Il est en bas des escaliers, tu ne peux pas le rater. Je lui ai dit que je n'étais pas une dépanneuse, ok, je vais essayer. En parlant de moniteur, il ne montre plus que les élections dernièrement. Le nouveau gars a un plan pour apporter la paix sur la ville, mais j'ai mes doutes. Rappelle-toi de ce qui s'est passé avec le maire d'Emé... Putain, j'arrive jamais à le dire son nom. Nelika, je pense que ça se dit. Ou Nelissa, je sais pas. Le dernier à avoir fait ce genre de promesses. Ils sont tous pareils avec leur gros discours. Et vraiment, ils ne me paraissent pas si similaires à moi. Bon, je vais aller réparer ce militaire. D'accord. Je vais en finir avec ça. Donc on va démarrer, on go, je ne peux pas le louper a priori, donc on va essayer de le louper. À mon avis, on va encore réparer avec un grand coup dedans. Ce jeu, est-ce que tu peux continuer à faire des activités après la campagne? Oui. Oui, parce qu'il faut savoir que, bah déjà je précise, j'ai eu le jeu sur PlayStation Vita, mais je n'ai pas pris sur PS4 le remasterisé. Et là, dans ce jeu, ils ont rajouté des événements en ligne, si tu préfères. Autrement dit, t'auras des chasses au trésor, t'auras des défis, t'auras des quêtes annexes. En fait, t'as plein de trucs qui continuent derrière. Et les chasses au trésor sont en ligne. En fait, ce sont les autres joueurs qui vont planquer des coffres, ça va être à toi de les trouver. Dont le but de mon émission, justement. Mais là, j'ai décidé de faire 3 ou 4 chasses au trésor et ensuite faire une quête annexe. Ça évitera de rallonger bah, la durée de la vidéo pour YouTube. Donc, c'est pour ça. Nickel. Donc oui, tu peux continuer des activités après avoir fini la campagne. Et voilà, qu'est-ce que tu fais? Oh, ça y est. Ah, c'est du vandalisme. Non, non, c'est pas du tout ça, je ne le casse pas, je le répare. Oui, oui, je le répare avec un gros coup de pied dans la gueule. C'est comme quand tu rages que tu balances ton PC par la fenêtre, c'est la même chose, tu le répares en fait, hein. faut dire ça aux agents. Ouais, ouais, tu le diras devant le juge, les jeunes sont tous fous de nos jours. Hein. Tu es comme celle que j'ai vue escalader la palissade de l'école à la tombée de la nuit. Il y a juste une minute. Bah, que je suis fou alors, mais attends. Le mec, il escalade, c'est-à-dire que si tu es infraction, l'école est fermée. Si tu rentres dedans, c'est une infraction. Il a une fille, il voit, parce qu'il l'a vu, hein, il nous dit bien ça, c'est-à-dire qu'il l'a vu. Il voit l'infraction, mais il vient vers nous pour dire c'est du vandalisme. Non, mais il se fout de notre gueule. Qu'est-ce que c'est que ces gens de police, hein? J'ai voulu lui donner un avertissement, mais elle s'est enfuie. Mon cul, ouais. C'est peut-être une des étudiants que je recherche.
Hop. Oui, du coup, t'as des nouveaux pouvoirs aussi, hein, comme tu peux le voir. T'as le style lunaire qui se trouve ici, t'as le style Jupiter qui est ça. Hop. Mais bon, ça, si tu prends le jeu, je te laisse le découvrir. Ou alors, je te laisse suivre le let's play de Sora ou de... Enfin, Sora, pas moi, hein, mais le youtubeur Sora, avec ses 90 000 abonnés. D'ailleurs, félicitations à lui, GG. Ou Frigiel, c'est toi qui vois, qui eux ont fait le let's play, donc je te conseille d'aller la regarder. Si tu veux voir vraiment le jeu de par toi-même, l'histoire. Ou si tu veux pas te spoiler, ben, je te souhaite bon jeu à toi. Peut-être qu'elle est rentrée chez elle après avoir été repérée par la police. Je devrais vérifier la prédiction suivante. Les conseils de l'homme mort, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? T'as même le chien derrière, qu'est-ce qu'il y a poussière? Évidemment, les statues ne sont pas vivantes. Ce qui ferait l'homme mort, le directeur. Disons que la statue du directeur est l'homme mort. D'accord. Elle était juste sous mon nez. Merci beaucoup, poussière. Ça me rappelle le bug dans Final Fantasy XV que j'ai avec Ignis. Ignis, en fait, quand tu actives sa compétence qui est attaque élémentaire, je crois, il lève la main en l'air et je sais pas pourquoi il y a un bug, c'est qu'en fait, il reste la main en l'air et il prend cette pose-là, justement. Et au final, bah, Ignis ne peut plus rien faire. Allô? J'étais en train de regarder mon stream, justement, le chat, mais merde. D'accord, donc il faut faire quoi? Je devrais aller dans la direction qu'il indique. Oula. Attends, on va regarder un, voilà. Je suis en haut. D'accord, c'est la fille étrange de tout à l'heure, hein. Je devrais la suivre. Bah écoute, on va laisser sur les toits, hein. Ça n'a pas l'air d'être vraiment très compliqué. Mais non, tu vas pas la perdre, hein, évidemment. Ah ! Remonte. S'il te plaît. 6. Le truc c'est que j'ai... Attends. Le truc c'est que j'ai évité les side missions, pardon. Et maintenant j'ai plus accès. Ah bon? Pourquoi? Ah, ça veut dire que t'as le jeu du coup. Mais pourquoi tu as plus accès en fait? Ouais, c'est qu'à mon avis, tu dois être en... Bah non, oui, non, c'est pas possible. J'allais dire, tu dois être en plein cours de l'une d'entre elles, mais non, pas du tout. J'ai pas tout fini, d'accord. Tu comptes finir le jeu à 100% ou pas? Par contre, oui, je suis con là, j'espère pas qu'elle va venir vers moi. Non, ok. Les écoles vides me donnent la chair des poules. Non, je croyais qu'elle venait vers moi. Ok, donc hop. Mais bon, un banc se balancer dans tous les sens, elle va se dire, oh, tiens, un banc qui vole. C'est le printemps, les oiseaux chantent, c'est tout à fait normal. Ouais. La dernière prédiction parlait d'un sombre rassemblement. Ouais, donc c'est qu'il y a un rassemblement, quoi, faut pas chercher. Non, non, fais pas attention aux banc qui volent, hein, ce n'est pas du tout... ce n'est pas grave, voilà le bureau des élèves, c'est un énorme rappel des souvenirs. Cette fille est seule, mais je parie que les autres vont arriver bientôt. Il faut que je trouve un endroit pour me cacher et voir ce qui se passe. J'attendrai ici. Ah ouais, d'accord, mais tu as l'impression de te cacher, toi, ici? Ah non, sur le toit. Ah oui, d'accord. Je préfère. Je préfère. Mais du coup, je sais pas du tout pour les side missions, du coup. Désolé, je suis en retard. Tout le monde est là. Commençons alors. Puissante Cho. Ou Cho, et je sais pas comment ça se dit, le nom de ce dieu-là. Écoute nos appels. Cho, ça doit être le nom du démon. Cho, Choé. Choé à mon avis, parce qu'on a mis Cho, ça se dit Cho, donc... Le mec, il dit que j'en dirai pas plus, donc à mon avis, ça se dit Choé.
C'est sûrement le sombre rassemblement de la prophétie. J'espère qu'entendre le nom du démon ne m'a pas infligé une malédiction. Et me voilà en train de paniquer pour des suspicions dénuées de sens. D'accord. Donne-nous le secret éternel de jeu. What? L'éternelle jeunesse. Encore toi, est-ce que tu me suis? Non. Non, non, c'est le banc qui te suit, c'est le banc qui m'a guidé ici. Hein. Tout le monde est taquet à cause de toi. Arrête ça et rentre à la maison. Non, je ne veux pas mourir. Hein? Tu ne comprends pas la colère de Shoei et toute puissance. Toute puissante, pardon. Non, je ne comprends pas. J'ai fait quelque chose de mal? Tu as interrompu la cérémonie pour Shoei. Ça signifie la mort. Si, je ne veux pas mourir. Prends la L à la place de sa faute. Désolé, je ne voulais pas. Nous devons terminer la cérémonie. À mon avis, c'est elle. 10 contrats que c'est elle. Je suis toujours à la partie où elle doit diffuser les bombes. Diffuser les bombes à Aix-Ville. Je sais que... Ça me dit quelque chose. Tu sais, ça fait longtemps que j'ai fini l'histoire de Gravity Rush 2, donc... Oui, en effet, ça me dit quelque chose. D'accord. Ah oui, du coup, oui, t'en es encore loin. D'accord, et je vois au tonneau. Si tu veux pas que quelque chose de terrible ne se produise, aide-nous à finir ça. Ouais, mais qu'est-ce que je peux faire? Nous n'avons pas le temps, fais simplement ce que je lui dis. Oh putain, ça y est, de quoi on est encore encombré? C'est maintenant Kat va faire des rituels sataniques. Putain, c'est excellent ça. Mais Kat, elle fait tous les métiers du monde, quoi. Elle a tous les pires jobs. Suivez-moi. Kore. 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 Ouais. Elko. Voilà, non, voilà, c'est tellement con. Non, je sais pas, ça paraît logique. Dis donc, tu pars très vite. Oui, je sais, c'est l'un de mes plus grands défauts. Je pars extrêmement vite. Il faut faire ça combien de fois? Je parle extrêmement vite, je sais. Lushoe. Par contre, Cap, t'as l'impression qu'elle danse, quoi. C'est. Elle prend du plaisir. C'est n'importe quoi. Chloé, Elko, Lushoe. Ah, d'accord, parce qu'en plus, c'est. D'accord. Bon, allez, on va faire sérieusement parce que. Parce que j'ai pas envie de perdre mon temps là-dessus. Même si ça fait me délirer. Par contre, je trouve ça dommage que dans ce jeu, il n'y a que les cheveux de Kat et Raven qui soient modélisés en fait. Enfin. Qui soient. Enfin, qui bougent quoi en fait. Parce que les autres, c'est vraiment des statiques, c'est du papier quoi, c'est nul. Quoi? Quoi? J'arrivais où il y avait Je pense que c'est vraiment à ce qui s'est produit au bureau des élèves il y a bien longtemps. Echo, Newt, qu'est-ce qui se passe? Du papier. Oui. Oui, du papier, hein. Nous n'avons jamais eu de problème avec. Nous n'avons jamais eu de problème de démon quand nous étions étudiants. Donc j'ai demandé à Echo à ce propos. Attends, Koe. Ah oui, putain! Elko, bah oui, en plus ça aurait dû me sauter aux yeux. Elko, bah oui, Echo. Si. Oui, moi je suis le démon, d'accord. Le Nevik Echo est levé au bureau. Des élèves. Quelqu'un d'autre doit avoir vu ce qui se passait et a lancé une rumeur. Et au fil du temps, ça a dû évoluer en cette légende de Koe. Elle n'est pas réelle, mais qui va exaucer nos voeux alors? Je ne vois pas très bien quel genre de voeux vous comptiez voir exaucer. J'avoue, en général, vous invoquez un démon, c'est pas des voeux que vous exaucez, c'est plutôt des malédictions.
Genre, ce sont les dieux qui donnent des vœux et les démons qui donnent des malédictions. Mais bon, ça c'est. Voilà, ça me paraît logique. Mais adorer un bureau. D'accord. Ah, mais abhorrer. Ah. Oui, c'est abhorrer. Attends. Non, c'est adorer. Adorer un bureau des élèves vide ne va pas fonctionner. D'accord, oui, c'est bon, c'est toi que ça monte au cerveau. C'est bon, je viens de comprendre. D'abord, je n'ai pas entendu une voix d'homme dans l'obscurité. Il scandait Koe Koe. Si. C'était probablement en disant Echo Echo. Bah oui. Echo 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 Echo. Voilà, ça fait Koe Koe à la fin, et puis voilà. Je répétais son nom et je priais pour qu'elle accouche en toute sécurité. Est-ce que vous avez accouché dans la rue? J'imagine que les étudiants ne sont pas les seuls à souhaiter certaines choses. Oui, sans doute. Dans tous les cas, il est temps d'oublier cette histoire de rituel secret. Très bien, tout le monde, rangez vos affaires et rentrez chez vous. Bah, ils ont pas d'affaires, hein. Limite la fille qui a un sac à main, mais sinon ils n'ont pas d'affaires. Ah, du coup, c'est bien parce que je suis en train de voir que. Ça ne spoile pas l'histoire en fait. Sachant que là, tu fais des quêtes. On va dire que ça remonte le temps au moment où la quête doit être faite en fait. Parce que là, normalement, là où j'en suis, Echo a déjà accouché. Il a déjà son enfant. Alors que là, il est toujours dans son ventre. Qui aurait pu croire que cette histoire avec Echo allait déformer comme ça? Elle est si différente de la fille qu'elle était auparavant. Et pourtant, j'étais là en train de paniquer à cause d'une superstition. Je devais probablement grandir. Bon, au moins, toutes ces bizarreries à propos des démons sont terminées. Mais je jure que. Pas grave, oublions. Oui, non, mais on sait très bien que Kat. Echo m'a raconté ensuite que les trois filles de la cérémonie ont mis leur sombre activité extrascolaire derrière elles. Merde, mais j'ai pas le temps de lire! Mais je ne peux pas jurer que j'ai vu quelqu'un d'autre lors de cette cérémonie. Non, parce qu'on est d'accord, il y avait quelqu'un d'autre. Non, parce que moi, je suis complètement d'accord, il y avait vraiment quelqu'un d'autre. Bon, du coup, je vais arrêter le live. Enfin, je vais arrêter. Non, pas le live. Le live, ça se trouve, je vais continuer encore un petit peu. Mais je vais arrêter la vidéo YouTube ici. Comme ça, je pourrai l'uploader dans la journée. Donc, normalement, d'ici ce soir dans la nuit, elle devrait être uploadée. Donc, voilà. Mais je pense que je vais continuer les indices sans trésor sur le live. Bah, pour continuer l'émission, quoi, en fait. Du coup, voilà. Bon, bah, YouTube, je vous dis à plus tard. Hein. Salut tout le monde. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Vous aussi sur le stream, n'hésitez pas à revoir la vidéo YouTube qui sera de bien meilleure qualité. Tomb Raider 95. Consultez les annonces, 5 messages. Bon, bah, on va consulter tout ça. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube. Salut!